Et salut toi, c'est Pékin, on se retrouve pour la saison 2, le début de la saison 2. Je vous montre un truc, c'est intéressant de jouer pas mal et de monter, parce que regardez, c'est ça qui est le truc, je viens de débarquer dessus. Ça vient de commencer il y a 12 heures, comme tu as marqué, hein. Voilà, j'ai tous les coffres d'avant, j'ai tout ça déjà. Donc je vais être blindé dès le départ, c'est ça qui est trop bien. Ça c'est beaucoup trop bien, regardez tout ce que j'ai. Content, plein de coffres. Justement, c'est ce que je voulais savoir parce que sinon on n'avait pas trop un avantage. Mais là, si l'avantage est plutôt pas mal même. C'est bien, au moins. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Regardez tout ce que ça fait. Ça me fait des renseignements en plus. Alors, du coup, je sais pas pourquoi, je me doutais que les... Oui, je sais pas pourquoi, je me doutais qu'on allait être obligé à prendre ce que personne n'utilise, c'est-à-dire les guerriers. Personnellement, je vais jamais utiliser les guerriers. Hein. Et les mines aussi, il t'oblige à utiliser les mines. Presque. Je suis bien sûr. J'utiliserai toujours les mines. C'est trop bien. Il aura beau spammer les... Je sais pas quoi. Ben, il se prendra quand même pas mal de mines. Ben, les bombes, je vois pas ce qu'il pourrait spammer d'autre. Voilà. Alors, essaye de bien passer maintenant, mon gaillard. Et encore un mortier, parfait. Comme si ce n'était pas suffisant. Voilà. Ah ouais, bon, moi je blinde le début. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez blinder d'autre, mais moi c'est le début que je blinde. Je vais mettre ça là avec un lance-flamme et puis c'est tout. Hein.
Voilà. On a le choix avec des mines. Ben, moi, je joue full mine. Donc, le problème est réglé. Jouer full canon aussi. Donc, là, le dilemme. Ou toi. Techniquement, toi pour bouclier. Voilà. Je place le reste que j'ai débloqué. Font 167 de dégâts. C'est beaucoup. Je trouve. Eux, ils ont 500 de vie. Non, je vais prendre deux barges de guerrier. Et on va tester le premier combat pour voir si ça fout la merde. Ok. Pas les fumigènes. C'est ma foi embêtant. En vrai, je m'en fous, les gars, ils peuvent mourir. Ça m'étonnerait, on peut pas me passer. Ça m'étonnerait qu'il fasse la troisième étoile. Mais bon, du coup, je me rends compte que quand même, les fumigènes, c'est un peu la base, c'est hyper important. J'en ai besoin. Première victoire du jour en plus. J'ai besoin des fumigènes. Toi, need you. J'ai gagné, mais le gars il m'a passé tranquillou. Comment il est passé? Ah, mais le gars il a déjà des gros bras quoi. Oui, il a des gros bras. Mais c'est quand même la preuve que vu le taf que ça a fait, on va améliorer les mines. Elles ont presque toutes servi, hein. Ah, je suis déjà à 11, en plus je gagne un peu plus. C'est pratique ça. Je peux pas les hop? Non, mais elles feront beaucoup plus mal. Pas les hop, pas beaucoup en plus. Gros bras, gros bras, gros bras. On remplit et je vous montre une belle attaque, je crois. Bon, maintenant que j'ai les bras gras, en vrai, je peux la mettre en boost de puissance. L'adversaire doit être là. J'attaque comment? Te suicide pas, vous, là. J'ai perdu un fusilier, c'est incroyablement... C'est désastreux. Je pense que les gens qui m'affrontent doivent voir l'intérêt de jouer full mine. Un peu tard les bombes. C'est mieux les capacités du coup, hein, vu le temps qu'elles arrivent à mettre pour arriver.
Alors, nous allons voir. Ouais. Bon, ben, je saurai, il faudra que je mette une bombe. Non, entre les deux, là. Il y a les électrobombes. Alors je fais une pause hein, parce que je reviendrai dans très longtemps. Le temps que je dégomme tout le monde et je monte. Hein. Je vous reprends tout de suite. Le premier joue full bombe, j'ai l'impression. C'est là où je vois, je suis content, j'ai l'impression que je suis pas le seul à jouer comme ça. Je suis à victoire x10, je suis toujours en train d'exploser mon adversaire. Je viens de débloquer les Zoukas, c'est la première fois que je les utilise là. Non, je voulais améliorer le lance-flamme. Pourquoi? Bon bah, hein, première défaite. Bon bah, on va se laisser là-dessus du coup. Il vous reprend s'il y a du nouveau, des trucs comme ça, de toute façon. De toute façon, vous verrez, hein, ça va déjà la quatrième vidéo, ça nous tient un peu de temps. Je pouvais pas gagner tout le temps, 10 victoires d'affilée, c'est déjà ça. C'est plutôt efficace. Mais bon, maintenant, il me faut cela. Bon, c'était Upik, à la prochaine.